Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Lifestyle préférée. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans les décors habituels, nous sommes avec Sora. Oui. Aujourd'hui, c'est bonbons. Aujourd'hui, et au fait, c'est pas n'importe quel bonbon. Des vieux bonbons, des trucs qui datent des années 90, 80 et même 70. Bah tu veux commencer par ça tiens. Ah bon? Ok, comme alors ça je connais pas. Super Fisty, c'est le truc qui éclate sur la langue là. Bah ça du coup, ça, je vois le concept, mais genre c'est juste ça? Je crois que c'est ça, c'est tout. Je connaissais les trucs en forme de pied. Non, non, dis comment c'est bizarre, mais je t'assure, t'avais un pied et tu le trempais dans une poudre comme ça. Ok. Non, je ne l'ai pas du tout. Moi je pars sur un burger. Depuis ça, même temps tu l'as pas vu. J'en achète tout le temps. Ah ouais? C'est trop bon, j'adore ça. Moi j'en vois jamais. Oh l'ASMR. J'adore mec. Oh ça éclate la bouche. On dirait il pleut. C'est une observation intéressante qui a le mérite d'être dite. Qu'est-ce que c'est que ça par contre? Des caramels. Avec son fat les caramels. Je peux les montrer en mode. Ouais, ils sont vraiment archi fat. Mais du coup, il est ton visage. J'ai tourné un petit extrait pour la chaîne de Marie, Enjoy Phoenix. Oh, mais tu la kiffes, Enjoy Phoenix, toi hein? Arrête, je sais, je connais. Déjà, j'ai vu qu'elle m'a suivi sur Instagram. Oh, non, mec, j'ai forcément, oh là là. Tu likes toutes ses photos. Non, tu likes toutes ses photos. Non, c'était à une époque. Il a la cloche de notification des photos d'Enjoy Phoenix. Sachez-le. À une époque, plus mal. Il y a deux mois. Non, non, ça fait moment, je like plus trop, Ok, drogue, drogue. À chaque fois que je vais sur ses photos, il y a écrit liké par Louis. Mais c'est faux. C'est faux. Vas-y. Ok. Ouais. Première photo. Oh bah, t'es qui ça? Mais ça, c'est une récente. Non, mais ça, c'est une. Mais regarde, il y a une période où j'ai rien liké, tu vois. Ah bah. Oh bah ah, oh, c'est qui? Mais c'est faux, c'est faux. Ok, bah, je pensais pas avoir les autant, mais... Des excuses publiques. Bah pardon. Merci. Mec, est-ce que tu connais les frisous? Ça te dit quelque chose ou pas? De nom, ça me dit un truc. Ouais. Mais je pourrais pas dire c'est quoi. En gros, c'est des bonbons qui ressemblent à des fraises d'Agada, sauf que c'est 15 000 fois meilleur, tu vois. Ils sont tout petits, et en fait, ça, une fois, il y a ça mon... Ça s'affiche ici. Il y a mon prof de tennis qui m'en a ramené, et je suis devenu fou. Et j'en ai retrouvé. Il y a des frisous. C'est ça, en fait, je crois. Et du coup, en fait... Alors moi, pour moi, ça, j'appelle ça des carnages. J'espère que c'est des frisous. En fait, là, toute mon enfance va se jouer là-dessus, là. Ouais, mais j'ai le caramel. Je n'ai pas les frisous. Ok, donc c'est les carnages. Et alors, pour le prochain bonbon, écoute, je suis très curieux, mais vraiment très curieux de savoir ce truc-là. Quel goût ça a. Ah, mais c'est des bâtons de réglisse. Faut savoir que je déteste la réglisse. Ah ouais? Bah comme 80% de la population française. Moi je suis pas contre. Ok d'accord. N'hésitez pas en commentaire à nous dire si vous aimez la réglisse. Si ça se trouve gros c'est vraiment des bouts de bois qu'ils ont ramassés par terre, ils ont mis un petit bout de réglisse dessus, c'est bon quoi. Ah, j'ai l'étrange sensation de manger du bois quand même. Alors j'ai cassé la branche et il y a un goût de réglisse qui commence à arriver. À quel moment, genre, on a pu vendre ça et se dire, les gars, non mais ça buzz. Non mais tout ça, ça va buzzer. Comment t'as réussi à un gamin à dire achète ça. Papa, papa, est-ce que tu peux m'acheter un bâton? Transition Harry Potter. Alors, est-ce que vous connaissez les frisous? Parce que du coup, vu que j'ai été déçu, j'ai envie de tester le deuxième là. Carnage à la fraise et au citron. Bon bah alors, est-ce que vous connaissez les frisous? Oh, c'est de la guimauve. Un marshmallow avec la guimauve. Une couverture de Zagala. Ouais, c'est genre, c'est de la guimauve. Je cadre très bien, tu remarqueras. Ouais. Ouais. Il y a une notion du cadre qui est un peu étrange. Anecdote. Anecdote, vas-y. Un des premiers abonnés qui t'a reconnu, il me dit filme-moi. Je filmais déjà de base. Du coup, je vais juste donner la caméra grand angle, hein, fisheye, 180 degrés. C'est bon. 180 degrés. Même si tu fais ça, tu vois comme ça, on filme bien quand même. Et bah. Et l'image, ça a donné ça. Oui. Si tu l'as filmé, ça tournait, mais tu l'as... Oh non mais... Ouais, bah, c'est du coup, c'est de la merde. Merci beaucoup, Sora. On voit un peu. On entend. On entend. On entend. J'aurais pu arrêter l'orec. Moi, je vais prendre un truc... Alors ça, pour le coup, j'en mangeais beaucoup quand j'étais un peu plus jeune. Le chewing-gum en tube. Mec, tu connais ce truc-là? Ah oui. Pas du tout, moi. Ah ouais? Ouais. Mais putain, mais c'est fou, c'est marrant qu'en fait, on est le même âge. Ouais, mais on a pas du tout le même rêve. Du tout les mêmes rêves, tu vois, c'est rigolo. Okay. En fait, ouais, c'est un chewing-gum. Oh, par exemple, comme le frisou, tu vois. Putain, mais mec, le forceur! En fait, c'est un chewing-gum que tu prends comme ça. En fait, t'appuies, et du coup, en fait, voilà. C'est un chewing-gum. Mec, c'est plutôt bon en bougeant. Et lui, tu peux l'avaler. Tu peux l'avaler? C'est un chewing-gum, tu peux l'avaler? Bah, du coup, je l'avale. Si je meurs pendant la vidéo, je. Danger toxique, mais surtout pas avaler. Non! Tu sais, à l'époque, les bonbons, ils avaient des appellations un peu parfois pas très correctes. J'ai trouvé des bonbons tête de nègre.
Alors moi, tu vois, c'était pas ça. Et j'ai toujours trouvé ça horrible. Oui, c'est les pâtisseries, c'est normal. Ouais, la boule choco. Mais c'est horrible. T'as vu, c'est horrible. Mais mec, c'est raciste ouvertement, quoi. Enfin, je peux jouer. Vraiment. Je crois que ça, c'est genre années 80 ou 70. C'est pas 90. C'est Révis. Je pourrais pas te dire. Mec. C'est Révis, quand même, enfin. Ah ouais. Bah ouais, de ouf. Alors, un truc que je connais, c'est ça. Ça, tu connais ça? Bah, ça en connaît. Ok. Bah, on connaît. Crée, la craie. La craie, la fameuse craie. Moi, j'appelle ça un rouge à lèvres aussi. Je suis pété une dent, je crois vraiment. J'ai entendu le bruit des mains de ton dentiste qui, tu vois, comme ça, qui était content là, comme ça. Oh, 500 balles en plus. Bah, je vais prendre un petit burger. Le temps que toi, tu me racontes une anecdote maintenant. J'ai rien du tout là, j'ai rien en stock. Mais en fait, j'hésite en ce moment à refaire une vidéo des pires shops, tu vois. Je m'adresse à tous les gens qui suivent Sora. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire encore? Sora, quand il organise un truc pour sa meuf. Oh. Pourquoi? L'homme le plus romantique du monde. Quand il s'agit de faire plaisir à ta meuf. Premier degré ou? Premier degré, c'est incroyable. Mais je peux raconter l'anecdote de Team Labs? Ah bah tu peux, vas-y. On est allé, bon, on a fait là une vidéo, on est allé à Tokyo ensemble. Ensemble, ouais. Dans une de ses activités, on va à Team Labs. Et donc du coup, on y va et on rencontre quelqu'un, un français. Un français. Qui gère un petit peu les bails. Qui gère la communication du lieu. Qui gère toute la communication du lieu, ouais, et qui était très gentil. Il s'appellera Michel. On n'est pas d'accord. D'habitude, c'est Bobby. Ouais, mais j'avais envie de changer un peu. Bon, il s'appellera Bobby. Allez, il s'appelle Bobby. Allez, on part sur Bobby, on se fait plaisir. Je dis à un moment, on se balade et tout, et je dis à Bobby, c'est un endroit, tu ramènes une meuf, tu conclus. Forcément. Il me regarde, il me fait, Maxime, si tu ramènes ta meuf ou une meuf au Japon, je te le privatise. Mesdames et messieurs, des ampoules qui s'allument. Là, elle peut pas résister. C'est vraiment la chaîne d'achievement. Yes. Mon attaque est trop forte. Là, mec, l'attaque, c'était un coup critique. J'ai pu avoir le lieu vraiment un petit peu réservé pour nous, et c'est incroyable. Mais c'est rigolo parce qu'on est très opposés de ce côté-là, tu vois. On lui, c'est une... vraiment, je... Donc du coup... Bonbon sur. Prochain bonbon. Et Ouba Booba. Oui, ça j'aime bien, ça. Ça j'aime bien. Alors donc du coup, alors, le Ouba Booba. Une anecdote toi peut-être. Bon tu sais quoi, je vais te raconter une anecdote, genre de quand il y a une meuf, bref, avec une meuf. Alors, avant toute chose, avant que tu commences l'anecdote, ouais. Le Ouba Booba, il existe à la fraise et au coca. Fraise et coca, tu les trouves partout. Il y en a un troisième bleu qui était au tutti frutti, pastèque et tout. Ah oui. Qui était fabuleux. Et j'ai envie de dire à... Je sais pas c'est qui fait ça, mais allez vous faire foutre. Pourquoi il est pas là le bleu? Il est introuvable. Anecdote avec une meuf alors. C'était la joue. Attends. Bon ils l'auront jamais. Vous l'aurez pas à cause attends, de attends. Lui. Parce qu'il y a vraiment des gens, ils mangent ça comme as. L'anecdote du coup. Non j'en suis gomme, maintenant je peux plus parler. Oh putain. Tu peux dire un truc? Il est dégueulasse. Ouais il est pas très bon. Il est vraiment dégueulasse. Vraiment, je... Où est le goût de la fraise? Je ne sais pas. C'est goût sucre. C'est goût Advil. Bon. Une meuf. J'étais à mon gala d'école, où une fois, vu qu'il y a un gala, tu vois, il y a des filles qui viennent, je me stratosphérise. En gros, je me dis, oh là là, faut que j'aille aux toilettes. Et bam, je me retrouve dans les chiottes. Il se passe un truc au niveau de mon visage, et là, en fait, je suis en train de pécho une meuf. Mais attends, mais comment t'as pu passer de... Je sais pas. Je ne sais pas. Fin de soirée. C'est pas fini? Oui, oui, elle continue. Ah oui, non, mais là, c'était le début. Flash blanc. Je suis dans son... Non, je... Et du coup, en fait, le truc, c'est que là, le soldat Louis, là, il a pas su. Quand tu parles de soldat, tu parles de... De moi, je parle de moi, je parle de moi. T'aurais pu penser à autre chose. Elle venait dans l'école, tu vois. Je fuyais. Mais mec, mais vraiment, mais pourquoi tu voulais à ce point-là parler? Pourquoi tu voulais pas juste lui dire, bah écoute... Bah écoute, j'ai envoyé des messages. C'est qu'elle n'a apparemment pas su exploiter. Ah non, elle a pas su les exploiter. Ok, d'accord, ok. Et j'avoue, je me suis caché derrière le bar pendant une soirée. C'était vraiment nul. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. C'est un bonbon ou c'est un jouet? Oh, c'est incroyable. Oh, c'était cool. Mais mec, attends. Vous faites agresser comme ça un jour dans la rue? Vous faites agresser dans la rue. Autre situation. Vous faites agresser dans la rue. T'es dans la rue. Ouais. Et tu te fais agresser. Oh putain. En vrai, ils ont conçu ça pour des enfants. Mais ils sont dans la rue. Non mais. Ils se font agresser. Qu'est-ce qu'on a de ça, mec? C'est la base. Alors ça va être compliqué de pouvoir le. Bah, tu vas le manger. On appelait ça une couille de mammouth. Ça sent fort. Hein. Ça, tu commences à la manger dans une semaine, c'est à la moitié. Non, en fait, ouais, et du coup, ils ont inventé la quille qui est plus fine et plus longue. Et ce qui fait que du coup, bah. Attends. Mec, c'est insupportable de tourner avec toi. C'est insupportable. T'as un problème, mais c'est pas possible. Ça me dégoûte, je suis accès. Pour qui je vais passer? Bah, pour un mec extrêmement mignon et amoureux de sa meuf. Oh, c'est vrai. Qui a des talents avec sa langue. C'est un compliment. En vrai, je vous dis un truc, au bout d'un moment, je vous jure, je sais pas pourquoi, parfois il y a des images que tu dégages de tes vidéos qui n'est pas vraiment l'image que tu es. Typiquement, pareil, moi j'ai l'image de quelqu'un qui est très pur, très innocent. Ouais. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Merci d'avoir participé au test. Les scores peuvent aller de 0 à 450, la moyenne officielle est de 100, votre score est de 46 points. Je suis extrêmement pur en fait. Aujourd'hui, Sora, il a beaucoup plus que 46. C'est vrai que si je le refaisais maintenant, j'aurais peut-être un petit peu plus.
Vas-y, allez. Le test de pureté. Do it. C'est un truc de fou. Sora est en train de faire son score de test de pureté. Pendant ce temps-là, moi, je suis en train de tester les bonbons. Vous avez un concept de vidéo? On ne tourne pas les vidéos ensemble. Regardez, pièce en chocolat. En vrai, ça fait longtemps que vous avez pas vu ça. Ouais, bon bah écoute. Oui, bon bah écoute. Non. Bah oui, bah oui. Bah si. Bah, ok. Oui, merci en effet. Voilà, merci beaucoup. C'est vrai. Alors, attends, moi je suis à 146, un truc comme ça. Putain, mais je suis pas si loin de toi. Mais non, t'es pas si loin. Qu'est-ce qui s'est passé en un an? Ok, on va discuter ensemble. Tu as fait ta vidéo il y a quelques temps, tu es à 46 points. Aujourd'hui, tu es à 115. On est passé des choses en une année, hein. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Dans quel piège je suis tombé? Au final, j'étais venu pour manger des bonbons. Enchanté. Impur. Impur. Bah très bien, ouais, super. Bah écoutez, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo qui était bordélique, c'était magnifique, j'ai adoré. Le climax de fin est exceptionnel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Sora, qui est aussi impur maintenant. Ouais bah écoutez les gars, si jamais vous êtes impur, n'hésitez pas à rejoindre. On est là. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.